D'aucuns détracteurs m'ont parfois accusé d'être un opportuniste. Donc je vais essayer de mériter ma réputation. Parce que si j'arrive à vous convaincre, et les quelques personnes qui regarderont cette vidéo, qu'il y a un tout petit lien entre ce qui s'est passé il y a maintenant 8 jours et le sujet dont je vais vous parler, je n'aurais pas complètement perdu mon temps et quelques personnes ne seront pas peut-être complètement mortes pour rien. Ça va être le début de mon intervention. Je vais commencer par essayer de vous expliquer que ce qu'on est en train de vivre en ce moment aux portes sud de l'Europe, avec le flot de réfugiés et les attentats dans lesquels j'espère qu'aucun de vos proches n'a laissé la vie, qui ont eu lieu il y a 8 jours, il y a un déterminant énergie et climat, objectivement pétrole et climat, qui est extrêmement fort. Et quand je dis extrêmement fort, c'est un déterminant du premier ordre. C'est pas un truc anecdotique que je vais vous jeter à la figure pour me rendre intéressant. Comme je suis un homme bavard, en plus d'être opportuniste, je vais vous livrer d'entrée de jeu les conclusions, des fois que je n'ai pas le temps de dérouler toutes les explications, on ne sait jamais. Donc je le dis, je le redis, ce qui est en train de se passer en ce moment en Europe n'est pas complètement le fait du hasard. Il y a un lien extrêmement fort avec les questions énergie et climat. Par ailleurs, ce lien extrêmement fort qui a notamment déterminé ce qu'on a appelé le printemps arabe et dont je vais vous parler, détermine aussi, et je vous en parlerai, ce qu'on a coutume d'appeler, alors au début ça s'est appelé une récession, après ça s'est appelé la stagnation séculaire, maintenant c'est en train de s'appeler la stagnation millénaire. Moi j'ai envie de dire que c'est le passage par un maximum absolu en ce qui concerne le PIB par personne en Europe, le PIB vrai, au sens industriel, et qu'il va falloir faire avec pour les années qui me restent à vivre et celles qui vont rester à vivre aussi. Une autre des conclusions du coup qui est très liée à ce que je vais vous raconter, c'est que ce qu'on a coutume d'appeler le business as usual, je ne sais pas si vous connaissez cette expression, c'est une expression très courante dans le monde économique pour désigner le fait que rien ne change. Alors ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est que business as usual, c'est-à-dire je ne m'occupe pas du problème, c'est pas rien ne change, c'est tout change d'une manière de plus en plus désagréable. Voilà, c'est ça le business as usual à partir de maintenant. Et du coup, plus le temps passe et plus se renforce ce dernier élément de conclusion qui est qu'on a vraiment intérêt à s'occuper du problème et que moins on s'occupe du problème et plus le problème s'occupera de nous. Donc on n'est pas en train, ce que je vais vous dire, c'est qu'il n'existe pas un monde économique, un monde de votre vie étudiante, un monde etc., et puis à côté de ça, un machin qui est dans le journal, et puis c'est un grand coup de ouf et moi peur à intervalles réguliers. Votre vie, maintenant, plus tard, est déterminée et sera de plus en plus déterminée par ce que je vais... Elle l'a déjà été, et de plus en plus par ce que je vais vous raconter. Je vais donc commencer un peu par vous parler de changement climatique, puisque j'ai dit que ça avait un petit lien avec ce qui était en train de se passer. Alors quand on parle de changement climatique, la quasi-totalité des gens ont présent à l'esprit ce que je suis en train de vous montrer. Il va faire plus chaud. D'accord ? Le réchauffement, du reste, le dictionnaire est bien fait, c'est qu'il fait plus chaud. Alors il fait plus chaud, comme disait Chirac, hein, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Vous avez passé l'été dernier où il a fait un peu chaud, vous êtes bien vivant dans cette salle et bien vivante dans cette salle. Il y a eu une canicule, je vais commencer par dire des choses horribles, mais il y a eu une canicule en 2003. Il y a quelques vieux qui ont perdu 6 mois d'espérance de vie. Bon, les plus jeunes dans cette salle s'en foutent. Ils ont même mérité un peu plus vite. Donc tout ça, aujourd'hui, c'est pas un vrai sujet. On ne voit pas pourquoi est-ce qu'on devrait s'en préoccuper plus que ça. Après tout, s'il fait chaud, il n'y a qu'à acheter des climatiseurs. Alors c'est oublié un peu vite que le changement climatique, ça n'est pas qu'un changement sur les températures, c'est un changement du climat, et que le climat, c'est pas juste une température. Un des changements majeurs déjà à l'œuvre, c'est ça que je vais vous expliquer, c'est que quand vous touchez à l'énergie embarquée dans un système, parce que c'est ça le changement climatique, vous touchez à tous les flux qui concernent le système. Et le système, il n'a pas que des échanges directs de calories. Il a notamment un autre flux qui est majeur, qui soit dit en passant est un flux de restitution de l'énergie du sol à l'atmosphère qui est 3 fois plus important que l'échange de chaleur par contact, qui est la chaleur latente, évaporation-condensation, ce qu'on appelle le cycle de l'eau. Je vous rappelle que la Terre est couverte aux 2/3 d'océans, donc nous habitons sur les terres émergées, enfin en règle générale, sauf quelques navigateurs intrépides, mais sinon la Terre est couverte aux 2/3 d'océans et donc c'est une énorme machine à évaporer. Et le changement climatique perturbe au premier ordre ce cycle évaporation-condensation. Quelque chose qui n'est pas très difficile à comprendre, c'est que sur une Terre plus chaude, globalement, vous évaporez plus et donc vous allez précipiter plus.
Donc le cycle de l'eau va globalement s'intensifier. Mais cette intensification, au grand dam de la CGT, va se faire de manière inégalitaire ou inégale. Et ce que vous montre cette carte que je vous affiche maintenant, c'est les projections pour le siècle qui vient. Donc je me mets dans un siècle et je compare par rapport à aujourd'hui, pour dire les choses de manière un peu simple, sur la variation des précipitations. Et alors là, il y a un truc qui évidemment va vous sauter aux yeux, d'autant plus que la manière dont on fait les cartes depuis des siècles a placé le bassin méditerranéen au centre du monde, c'est que vous constatez que le bassin méditerranéen est parti pour s'assécher. C'est déjà pas un endroit très arrosé. Hein, les précipitations moyennes sur le pourtour du bassin méditerranéen sont bon an mal an de l'ordre de la moitié de ce qui tombe en France. Très concentré sur l'hiver. L'été, il pleut quasiment pas. C'est pour ça qu'on peut avoir des touristes en Tunisie. Et vous voyez que c'est déjà pas très arrosé et il est prévu que ça s'assèche. Alors, c'est pas la seule zone qui doit s'assécher. Il y en a un certain nombre d'autres qui vont le faire. Vous constaterez que ces zones qui s'assèchent sont globalement situées dans les deux bandes tropicales, sud et nord. Et ça, c'est dû à la modification de la convection à large échelle, due à ce qu'on appelle les cellules de Hadley, avec des grands cycles, avec de l'évaporation et des mouvements ascendants au niveau de l'équateur et des mouvements subsidants au niveau des tropiques. Et quand l'air subsidant arrive en bas, il est sec parce que toute l'eau s'est évaporée. Enfin, toute l'eau a condensé au moment où vous avez eu l'évaporation au niveau de l'équateur. C'est pour ça qu'ici, il va pleuvoir plus parce que le cycle va s'accélérer et il va pleuvoir plus. Et là, le cycle va s'accélérer et il va pleuvoir moins. Et vous voyez qu'on a exactement le même problème sur la bande tropicale sud. Notez que l'assèchement sur ce qu'on pourrait qualifier d'Europe centrale et de Sibérie centrale est quelque chose qui est considéré comme normal dans le cadre du changement climatique en cours. Et j'y reviendrai quand je vous parlerai de l'un des déterminants conjoncturels de ce qui s'est passé sur le pourtour du Maghreb en 2011, c'est-à-dire une canicule monstrueuse en Russie en 2010 qui a privé une partie des importateurs de céréales, des céréales à importer cette année-là. Mais j'y reviendrai. Donc ça, c'est ce qui est prévu pour plus tard. Alors maintenant, on va regarder ce qui s'est déjà passé. Voilà une carte qui vous donne la manière dont les précipitations ont évolué sur les 5 dernières décennies dans le monde. Alors ça, c'est fait à partir de relevés météo. Hein, vous avez des pluviomètres dans un certain nombre d'endroits dans le monde. Les relevés météo ne sont pas faits, enfin, il n'y a pas de pluviomètre au milieu de l'océan. C'est la raison pour laquelle vous ne voyez pas de marques de couleur ailleurs que sur les terres émergées. Et vous constatez que là où les précipitations ont augmenté sur les 50 dernières années, c'est en bleu, et là où elles ont diminué, c'est en nuances diverses de marron. La graduation de cette affaire, c'est des millimètres d'eau par décennie. C'est-à-dire que quand vous avez moins 10, par exemple, ça veut dire qu'à une décennie d'intervalle, les précipitations annuelles ont diminué de 10 mm sur l'année. Hein ? Il faut savoir que les précipitations en France, je vous le redis, c'est 800 mm par an en moyenne. Mais sur les versants exposés à l'ouest des Alpes, c'est plutôt 2000, alors que vous avez des endroits un peu secs où c'est plutôt quelques centaines seulement. Mais globalement, c'est 800. Donc là, vous voyez, quand vous perdez 10 mm sur une décade, ça veut dire qu'en 50 ans, vous en avez perdu 50. Donc vous êtes déjà en train de parler de variations qui ne sont pas totalement ridicules au regard des quantités qui tombent naturellement. Alors regardez où ça s'est déjà asséché. Eh bien, on retrouve notre bassin méditerranéen. Mais on retrouve aussi, peu ou prou, toutes les zones sur lesquelles les modèles disent et ont toujours dit qu'il devait y avoir de moins en moins de précipitations dans le cadre d'une augmentation de l'effet de serre. Soit dit en passant, c'est à ce genre de signal qu'on reconnaît la marque de l'effet de serre dans le changement déjà constaté. C'est pas juste une affaire de soleil. Donc si M. Courtillot avait raison, il serait infoutu d'expliquer, indépendamment du fait qu'il fait des erreurs d'un facteur 4 sur la surface d'une sphère, on serait infoutu d'expliquer ce genre de structure spatiale sur l'évolution des précipitations qui ne pourrait pas être provoquée simplement par une augmentation de l'insolation. Les précipitations, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le bassin méditerranéen ont lieu essentiellement en hiver, l'insolation arrive essentiellement en été. Donc si c'est juste l'insolation qui provoque l'élévation de température, ça ne vous explique pas pourquoi c'est surtout en hiver que vous constatez la différence sur le cycle de l'eau, etc., etc. Donc vous voyez que vous avez ce mouvement du changement climatique déjà à l'œuvre sur le pourtour du bassin méditerranéen, mais également ailleurs. Or ailleurs, vous êtes soit dans, soit près d'un certain nombre d'exportateurs historiques de céréales. L'Australie du Sud,
Si j'arrive à retrouver ma souris. Voilà. Exporte des céréales. La Russie et l'Ukraine exportent des céréales. Alors là, ça ne s'achève pas trop pour le moment. Là, ils n'en exportent pas beaucoup. La Méditerranée n'en exporte pas beaucoup non plus. Le Sahel, pas vraiment. Par contre, la partie sud des États-Unis, la Corn Belt, ça oui. L'Argentine aussi, ici, ils n'en exportent pas beaucoup. Mais vous avez quand même des zones là-dedans qui sont des exportateurs de céréales. Ceci a aussi un lien avec cela. Alors si je prends le cas particulier du bassin méditerranéen, voilà comment évoluent les précipitations d'hiver depuis un siècle, en gros. Et vous constatez sur la deuxième moitié du XXe siècle et la première moitié une tendance très nette. Encore une fois, il y a une variabilité naturelle du climat. Tendance très nette à la diminution des précipitations, qui est la marque, déjà, d'un début de changement climatique. Cette abaissement des précipitations va vous introduire un facteur limitant dans la croissance des végétaux. Vous avez deux facteurs limitants dans la croissance des végétaux, vous en avez trois même. Vous avez la température, vous avez les précipitations et vous avez la teneur en CO2. C'est pour ça que quand vous voulez faire pousser des tomates rapidement chez les Bretons, vous les mettez sous serre histoire d'avoir une température qui est toujours optimale, vous enrichissez l'atmosphère en CO2, ce qu'ils font avec du gaz, et à ce moment, et vous les arrosez à qui mieux, et à ce moment, vous avez des tomates qui poussent très vite, parfaitement insipides, soit dit en passant, mais en tout cas, elles poussent vite. Bon, elles sont insipides. Et donc, vous avez ici l'application d'un facteur limitant qui va commencer à s'exercer à plein sur le pourtour du bassin méditerranéen, à savoir la pluviométrie. Du coup, vous avez ça. Alors ça, ça concerne la Syrie. Je ne vous ai pas montré toutes les courbes pour tous les pays, mais le raisonnement s'extrapole assez facilement. La population syrienne, depuis 1960, est passée de 5 à 22, 23 millions d'habitants. Elle a fortement augmenté. Vous voyez que dans le même temps, la production céréalière du pays a également très significativement augmenté, alors avec évidemment une variation annuelle, mais elle colle à la population. Alors là, soit dit en passant, vous avez déjà un premier effet de l'énergie abondante, puisque c'est grâce à l'énergie abondante qu'on a pu mécaniser l'agriculture et fournir à vitesse accélérée des engrais azotés qui sont fabriqués à partir de gaz. Il a beau être naturel, c'est quand même une énergie fossile. Et des phosphates et de la potasse qui sont le résultat d'une industrie minière qui, elle aussi, voit sa productivité augmenter quand vous avez des pelleteuses et des excaveuses qui peuvent fonctionner avec du diesel pour remplacer les gens avec des pelles et des pioches. Donc, l'augmentation de la productivité agricole dans le monde, en règle générale, pas qu'en Syrie, mais en règle générale, doit beaucoup à l'arrivée des combustibles fossiles comme auxiliaires des agriculteurs, ce qui a permis d'augmenter de manière très significative la production à la fois rapportée à l'hectare et rapportée à l'individu qui travaille. Rapportée à l'individu qui travaille, soit dit en passant, elle a augmenté encore plus que rapportée à l'hectare. Mais à un moment, ça ne suffit plus. Et vous voyez ici un décrochage très net au milieu des années 2000 en Syrie. Qu'est-ce que ça signifie? Comme les gens sont toujours là, sinon la population baisserait en même temps, donc les famines ne sont pas là, sinon les gens mourraient. Et si les famines ne sont pas là alors que la production baisse, c'est que la Syrie trouve les moyens d'importer ce qui lui fait défaut. Alors ces importations, pendant très longtemps, n'ont pas eu lieu en Syrie. La Syrie était autosuffisante sur le plan céréalier. À partir de 2007, elle a besoin d'importer. Or, il se trouve, mauvaise nouvelle pour la Syrie, que c'est à partir de 2007 que le prix des aliments se met globalement à augmenter dans le monde, à la suite de deux effets qui vont se cumuler. Le premier effet, c'est que vous avez eu de tout temps une indexation du prix des céréales sur le prix du pétrole. Vous voyez ici très bien l'augmentation des prix des aliments au moment des premiers chocs pétroliers, puis ça redescend. C'est stable, et au moment du choc qu'on a connu entre 2000 et 2008, vous voyez le prix des céréales remonter. Ça n'est pas juste un effet inflationniste dû au fait que vous avez besoin de mettre du diesel dans un tracteur. Si vous faites le calcul de cette manière, ça ne boucle pas. D'accord ? C'est-à-dire que la part du carburant qui va dans le tracteur, dans le coût de production d'une tonne de céréales, ne vous explique pas pourquoi, quand le prix du pétrole double, vous avez le prix des céréales qui augmente de 60 à 80%. Ça ne boucle pas. Ça vous explique 10 ou 20% de la hausse, mais pas 80. Ce qui vous explique pourquoi ça boucle, ça monte à la même vitesse, c'est que le marché mondial des céréales est opéré par des gens qui, d'une manière générale, opèrent sur tout un tas de commodités, pas seulement les céréales, le minerai de fer, le minerai de cuivre, le pétrole, le ceci, le cela,
Et ils font ça avec de l'argent d'investisseurs qui, eux, sont complètement neutres sur la commodité dans laquelle ils investissent. Dit autrement, le type qui place son argent, qui investisse dans du pétrole ou des céréales, il s'en contrefout. Et à partir du moment où vous avez une commodité qui commence... à partir du moment où le pétrole commence à monter, le jeu d'allocation des actifs fait qu'à peu près toutes les autres se mettent à monter. Et inversement, quand le pétrole baisse, à peu près toutes les autres se mettent à baisser. Donc en ce moment, le prix des céréales baisse, parce que le pétrole baisse, mais vous avez aussi vu que toutes les matières premières, d'une manière générale, baissent. Alors il y a aussi un effet d'appel qui joue, mais il y a aussi cet effet que je viens d'expliquer qui joue. Donc, au moment où la Syrie se met à devoir importer des céréales, pas de pot pour elle, le prix des céréales augmente. Alors vous allez me dire, il n'y a pas de problème, elle n'a qu'à augmenter ses exportations. Oui, mais l'essentiel des exportations de la Syrie, et c'est là qu'on va retrouver notre pétrole, c'est du pétrole. D'accord ? La Syrie est pour l'essentiel un exportateur de matières premières. Alors les bonnes années, quand elle était en excédent de production céréalière, là, vous voyez, quand vous êtes plutôt ici ou plutôt ici, elle exportait aussi un peu de céréales. Mais globalement, l'essentiel des exportations syriennes, c'est du pétrole. Or, ce que vous voyez très clairement sur ce graphique, c'est que la Syrie est passée par son maximum de production de pétrole en 2002, et je vous expliquerai dans pas longtemps du tout que le maximum de production de pétrole dans un pays donné est un objet qui est mathématiquement certain. D'accord ? Vous ne pouvez pas échapper au fait que dans une zone pétrolière, et soit dit en passant pour la Terre dans son ensemble, vous aurez, vous avez déjà eu, ça dépend des zones, un maximum à l'extraction annuelle de pétrole. La Syrie l'a connu en 2002. Vous voyez, 2002, c'est un tout petit peu avant le déclenchement des troubles. Donc, on ne peut pas dire que c'est Daesh qui a provoqué la chute. Là, je ne serais pas aussi affirmatif. Par contre, là, je le suis. Donc, vous avez un pays qui doit faire face à des prix alimentaires qui augmentent, qui a des recettes budgétaires pour financer ou subventionner la hausse des aliments qui baissent. Et il s'est passé en Syrie ce qui s'est passé en France en 1789. Les gens descendent dans la rue parce qu'ils ont faim. Et vous verrez un petit peu plus tard, je vais commencer après à faire... je vais m'échapper temporairement du Moyen-Orient, enfin du Proche-Orient plus exactement, pour aller sur des propos un peu plus larges. Mais quand je reviendrai à l'Algérie, au Maroc, à la Tunisie, etc., vous verrez qu'on va retrouver ce premier déterminant du changement climatique qui contraint la production locale, ce deuxième déterminant du recours aux exportations avec une explosion des prix des aliments importés, et un troisième déterminant qui est que pour des raisons énergétiques, là c'est les exportations de pétrole, ailleurs vous allez voir que c'est autre chose, vont vous supprimer des recettes à l'exportation, et donc vous provoquez une multiplication par deux du budget alimentaire pour la moitié de la population, alors même que ce budget alimentaire pour cette moitié représentait déjà la moitié de ce que les gens gagnaient. Donc quand la population passe, vous êtes ici gras et bien nourri comme moi, donc si l'alimentation pour vous passe de 5 à 10% ou de 10 à 20% de ce que vous gagnez, ça va très bien. Vous allez un peu moins au cinéma et vous envoyez un peu moins de SMS. Vous allez un peu moins en vacances. Quand, ce que vous avez probablement du mal à vous figurer dans cette salle, moi compris, parce que ça ne vous concerne pas, l'alimentation représente la moitié ou les deux tiers de ce que vous gagnez, et que ce prix-là double, vous n'êtes pas en train de vous dire « où est-ce que je ne vais pas partir en vacances ?» Vous prenez les armes et vous descendez dans la rue. C'est très exactement ce qui s'est passé au Maroc, pas au Maroc, en Tunisie et en Algérie, je vais y arriver, en Tunisie et en Égypte. Et je vous dirai pourquoi ça n'est pas arrivé en Algérie et au Maroc. Mais avant, je vais élargir le propos et vous dire en quoi le pétrole dans son ensemble a aussi concerné le printemps arabe. Alors ça, je vais faire un petit rappel de maths, parce que après, je vais m'intéresser au pétrole dans le monde. La durée de constitution des stocks de pétrole, de charbon et de gaz que nous avons sur Terre, le temps caractéristique, c'est la dizaine ou la centaine de millions d'années. Vous avez sur Terre des stocks de charbon. Le charbon a été formé à l'ère du charbon. Exactement, il vient de végétaux qui ont poussé à l'ère du charbon, le carbonifère, des espèces de grandes fougères qui, après, ont sédimenté et ont donné un résidu qui s'appelle le charbon. Temps caractéristique de formation, 300 millions d'années. Donc le charbon, c'est parfaitement renouvelable si vous attendez 300 millions d'années, sinon pas vraiment. Le pétrole et le gaz sont des restes des sédimentés de plancton et d'algues, de micro-algues, et le temps que les algues vivent, ça c'est pas très long, qu'elles meurent, c'est pas très long non plus, mais que les restes organiques qui vont précipiter sur le plancher océanique près des continents, parce qu'ensuite il faut enfouir ça sous des sédiments avec les apports alluvionnaires des rivières, c'est bien,
et que la tectonique des plaques vous colle ça dans les tréfonds de la Terre, que ça vous cuise tout ça à petit feu, ça vous pyrolyse à petit feu, que ça vous exsude du gaz et du pétrole, qui viennent ensuite se loger dans des pièges, c'est-à-dire des roches poreuses situées au-dessus de la roche-mère, il faut compter de 50 à 100 millions d'années. Donc c'est pareil, le pétrole c'est parfaitement renouvelable, le gaz aussi, si vous avez 50 à 100 millions d'années devant vous. Si vous ne les avez pas, c'est pas vraiment renouvelable. Comme vous, a priori, vous ne les avez pas et moi non plus, vous allez vivre quelques décennies si tout va bien, et que l'humanité, enfin quoi, les temps historiques de l'humanité, c'est maintenant 2-3 000 ans, ça va encore durer quelques milliers d'années si tout va bien, eh bien, à l'échelle des temps historiques, vous avez des stocks de départ en pétrole, en gaz et en charbon que vous pouvez considérer comme prescrits, c'est-à-dire fixés une fois pour toutes. D'accord ? Ils sont fixés une fois pour toutes, les stocks. Dit autrement, la quantité totale de ce que je vais pouvoir faire sortir de Terre, c'est en première approximation, entre moins l'infini et plus l'infini, a une borne supérieure. D'accord ? Une quantité finie, une borne supérieure. À partir du moment où j'ai une quantité donnée une fois pour toutes de choses extractibles du sous-sol, je ne peux pas, et ça se démontre mathématiquement très simplement, extraire cette ressource en quantité indéfiniment croissante du sol. Je ne peux pas, chaque année que Dieu fait, extraire un peu plus que l'année précédente. Je ne peux même pas extraire chaque année la même quantité, et ce, ad vitam aeternam. Mais d'accord ? Pas possible. La seule chose que les maths m'autorisent en pareil cas, c'est que ma fonction d'extraction sera nulle si je remonte suffisamment loin dans le temps, nulle si je vais suffisamment loin dans le temps, et entre les deux passera par un maximum absolu qu'on a coutume d'appeler le pic. Et si je raisonne en termes strictement mathématiques, l'intégrale de ma fonction d'extraction, c'est-à-dire mon extraction cumulée sur la période, est au plus égale au stock extractible de départ. Et c'est justement parce que j'ai cette condition limite, qui est que mon stock extractible est au plus égal, enfin pardon, que mon extraction cumulée est au plus égale au stock extractible de départ, que je suis capable de démontrer que c'est nul à moins l'infini, nul à plus, et que ça passe par un maximum absolu entre les deux qui s'appelle le pic. Ce que je viens de dire, soit dit en passant, est extrapolable, ou applicable plus exactement, à n'importe quelle ressource pour laquelle vous avez un stock de départ donné une fois pour toutes. Donc, sauf à ce que les entrailles de la Terre nous transmutent à vitesse accélérée du silicium en fer ou du silicium en cuivre, ce qui n'est pas le cas, eh bien, vous aurez un pic à l'extraction annuelle de minerais de cuivre, de minerais d'argent, de minerais d'or, de minerais de chrome, de minerais de tantal, de minerais de vanadium, de bauxite, etc., etc. Vous prenez tous les éléments du tableau de Mendeleïev qui nous intéressent et qui sont présents sous Terre. C'est un objet qui se démontre mathématiquement, vous aurez un pic à l'extraction annuelle de ces minerais. D'accord ? Le pic d'extraction annuelle d'argent ou d'or, je ne sais jamais, est probablement déjà passé. Celui de pétrole, il est en cours. Alors vous savez que quand on arrive au pic, ça c'est des maths, la dérivée s'annule. Tant qu'on n'y est pas, l'extraction croît, donc la dérivée est positive, et quand vous arrivez au pic, la dérivée s'annule. Alors une première manière de savoir si on en est loin ou pas est de savoir à quoi ressemble la dérivée sur un siècle et demi. Alors vous avez ici la réponse. Enfin, vous avez une approximation de la dérivée. Vous avez le taux de croissance annuel moyen de la production mondiale de pétrole depuis un siècle et demi. Alors en fait, ce n'est pas la variation annuelle, c'est une moyenne glissante sur 10 ans, parce qu'au tout début de l'histoire du pétrole, les variations annuelles étaient tellement amples que ça vous masque, ça vous fait une échelle qui rend la fin de la courbe illisible. Vous voyez qu'il y a un siècle et demi, avec des moyens d'extraction extrêmement rudimentaires, soit dit en passant, 4 planches et un coup de pioche, on arrivait à faire croître la production de pétrole de 15% par an. Petit aparté, je crois qu'il y a un théorème de maths, je ne suis pas sûr, mais il y a un théorème de maths qui dit que quand vous partez de zéro et que vous vous attaquez à l'extraction d'une nouvelle ressource, vous avez au début une courbe qui ressemble à une exponentielle avec un taux de croissance annuel très fort. Je crois, très vite. Donc, n'extrapolez jamais les taux de croissance annuels moyens qu'on constate aujourd'hui sur le solaire, l'éolien ou la vente de trombone. Vous ne les aurez pas pendant un siècle. Jamais. Donc, mais j'en reviens. Vous voyez le pétrole. Pourtant, c'est facile à extraire, le pétrole, hein, comparé à d'autres trucs. Au bout de quelques décennies, malgré une sophistication des moyens d'extraction, eh bien, on tombe à 10% de croissance par an. Au bout de quelques décennies supplémentaires,
malgré une encore plus grande sophistication des moyens d'extraction, on tombe à 5. Et aujourd'hui, malgré la découverte miraculeuse du Shell Oil, qui est en fait un retour aux sources, c'est à près de zéro. Pourquoi je dis que c'est un retour aux sources, le Shell Oil ? Le Shell Oil, c'est du pétrole et du gaz de roche-mère. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est là où la géothermie, par le jeu de l'enfouissement des sédiments riches en matière organique, a cuit la matière organique et en a fait du pétrole et du gaz. Il y a un certain nombre de cas de figure où ce pétrole et ce gaz ne se sont pas échappés de la roche-mère où ils ont été formés. Mais s'ils ne s'en sont pas échappés, un, c'est que la roche n'était pas perméable, et deux, c'est qu'ils sont restés diffus dans la roche. Parce qu'au moment où le sédiment forme du pétrole et du gaz, c'est des petites inclusions de matière organique qui forment ce pétrole et ce gaz. Donc c'est diffus, donc c'est pas commode à collecter. Le shale gas est connu aux États-Unis depuis 2 siècles. C'est en 1824 ou 26 qu'on a mis en service, je ne sais jamais parce que je confonds toujours avec la découverte de l'effet de serre par Fourier, mais c'est en 1824 ou 26 que Fredonia, petite ville de la côte est des États-Unis, met en service un système d'éclairage au gaz de ville rudimentaire. Le gaz de ville en question est du shale gas qui vient d'un gisement voisin. Donc le shale gas, c'est back to the future, c'est quelque chose qui est connu aux États-Unis depuis 2 siècles. La raison pour laquelle on n'y a pas touché jusqu'à maintenant, c'est que le gaz dit conventionnel est beaucoup plus facile à extraire. Donc tant qu'on n'a pas besoin d'aller taper dans un truc qui s'exploite mal, comme le shale gas, on n'y va pas. Ce que vous avez ici, en fait, c'est pas vraiment le taux de croissance de la production de pétrole, c'est le taux de croissance de la production de liquide. Il y a une petite différence entre les deux. Voilà ladite production de liquide dans le monde, cette fois-ci depuis 1 siècle. Qu'est-ce que vous avez dans les liquides, dans la nomenclature actuelle de l'Agence internationale de l'énergie ? Eh bien, vous avez du vrai pétrole. C'est-à-dire que vous avez des choses qui sortent sous forme liquide ou qui, après traitement, sont liquides, les extra lourds et les tar sands, et vous pouvez enfourner ça dans une raffinerie et en produire des carburants, dont, soit dit en passant, 30% de ce qu'on appelle des middle distillates, dont du diesel. Donc, n'imaginez pas qu'on va se passer de diesel. Le diesel et le kérosène, c'est 30% de ce qui sort d'une raffinerie. Donc, sauf à décider qu'instantanément, la consommation de pétrole dans le monde est diminuée de 30%, diesel, il faut que vous en fassiez quelque chose. Si vous n'en voulez pas, vous, c'est les voisins qui le prendront pour faire avancer les camions. Donc, vous avez ici ce qui sort, les liquides, mais vous voyez que ce qui permet d'avoir une courbe du haut qui soit fortement croissante, c'est autre chose que du pétrole, et notamment quelque chose qui est un résidu de distillation par le froid, qui s'appelle des liquides de gaz, et qui, en termes chimiques, puisqu'on est dans une école qui s'occupe de chimie, ça devrait vous parler, c'est éthane, propane, butane, c'est-à-dire C2, C3, C4. C2H6, C3H8, C4H10. Ça ne fait pas des carburants. Ça fait des réchauds à gaz très sympathiques si vous voulez partir en camping. Ça fait de la matière première très sympathique pour faire du plastique. C'est la raison pour laquelle le shale gas, qui contient pas mal d'éthane, a donné un boom à l'industrie pétrochimique aux États-Unis. Ça ne fait pas du carburant. Par contre, ça fait un haut de courbe qui croît. Donc on se dit, tiens, ça c'est plutôt sympa. Sauf que ça a masqué le problème. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça des liquides de gaz ? Parce que quand vous séparez le gaz-gaz, c'est-à-dire le méthane, des autres molécules qui y sont associées, éthane, propane, butane, tout ça sortant, avec le gaz évidemment, hein, vous faites une distillation par le froid. Et comme le méthane liquéfie à une température inférieure aux molécules plus lourdes, eh bien quand vous amenez au bon point cryogénique, vous avez liquéfié tout sauf le méthane. Et ces produits que vous avez liquéfiés, vous les évacuez de manière séparée, et ça s'appelle des liquides de gaz à cause de ça. Ça n'est pas liquide à température et pression ambiante. Ça n'est pas liquide. Donc vous n'en faites pas des carburants. Encore une fois, vous en faites des réchauds à gaz si ça vous amuse, mais pas des carburants. Donc vous ne faites pas avancer les camions, les voitures et les avions et les bateaux avec. Par contre, vous mettez ça dans les statistiques de production en disant tout va bien. La deuxième chose que vous sortez avec le gaz s'appelle des condensats, ou encore appelé des essences naturelles. Alors j'ai mis quoi que, parce que c'est des essences sauf que. Et ça s'appelle des condensats parce que c'est liquide à température et pression ambiante, et ça condense en tête de puits. C'est-à-dire que quand vous sortez le gaz qui contient sous forme de vapeur à ce moment-là, parce que le gaz il est sous forte pression et à température élevée dans les gisements, à ce moment ces produits sont gazeux dans le gisement, mais en tête de puits à température et pression ambiante, ils condensent. Et ça s'appelle des condensats. Ça, sous certaines conditions, une partie peut être incorporée dans l'essence.
Mais si vous vous intéressez à ce qui n'est que du vrai pétrole, eh bien vous voyez un truc qui est totalement passé sous silence dans la presse mondiale, qui est que la production de vrai pétrole n'augmente plus depuis 2005. Je répète. Non, c'est bon. Ça n'augmente plus depuis 2005. Qu'est-ce que ça a comme conséquence, le fait que ça n'augmente plus depuis 2005 ? Eh bien, la première conséquence, c'est que quand le gâteau est constant et que vous avez plus d'invités à la table, la part de chaque invité décroît. Et si vous avez en plus un des invités à la table qui décide d'être de plus en plus gourmand, eh bien les autres, on est d'accord ? C'est très exactement ce qui est en train d'arriver au pays de l'OCDE depuis 2006. Depuis 2006, l'approvisionnement pétrolier de l'OCDE est en décrue subie. Et j'insiste, c'est subi. C'est pas le génie de M. Borloo, de Mme Royal et consorts, et des Grunen et d'Obama qui fait que ça baisse. C'est la géologie qui a décidé d'être très mesquine avec nous, de mettre 50 millions d'années pour faire du pétrole, et qui fait que depuis 2005, ça sort plus de manière croissante. Parce que nous sommes, comme je le disais, au maximum, et nous y sommes pas par hasard, nous y sommes en héritage d'une tendance que je vous ai montrée ici, qui dure depuis un siècle et demi. Donc c'est pas une surprise. C'est pas une surprise. On n'est pas en train de découvrir un machin en se disant « Oh putain, merde, j'avais pas vu ça. Où avais-je la tête ?» Non, non. C'est pas une surprise. La bonne question est de savoir pourquoi on a refusé de le voir. Et qui est... Donc vous voyez que le pétrole baisse de manière subie depuis 2006. Par ailleurs, quand vous voyez la consommation de chaque énergie dans la zone OCDE, vous voyez que le pétrole arrive en premier, de très loin. Vous voyez aussi très bien le switch charbon-gaz, notamment dû aux États-Unis, pas que, mais notamment dû aux États-Unis, et vous voyez que si vous faites charbon plus gaz, vous êtes en gros à quelque chose d'à peu près constant. Comme le pétrole, et puis ici tout en bas, vous avez les nouvelles énergies renouvelables qui sont là, le nucléaire et l'hydroélectricité. Vous voyez que si le pétrole est la première des énergies et baisse de manière contrainte, à ce moment, la totalité de l'approvisionnement énergétique se met à baisser. C'est encore plus marqué dans la zone Europe, parce que le gaz, à la différence du pétrole, est une énergie régionale. Le pétrole est une énergie mondiale, c'est-à-dire que les deux tiers du pétrole extrait dans le monde passent une frontière entre la zone de production et la zone de consommation. Le gaz est une énergie régionale. Vous n'avez que 30% du gaz extrait dans le monde qui passe une frontière entre le pays de production et le pays de consommation. Donc la consommation de gaz en Europe est essentiellement le fait de la mer du Nord. La mer du Nord nous fournit 60% du gaz européen. La mer du Nord est en déclin géologique depuis 2005. Donc, la quantité de gaz que l'Europe peut consommer baisse depuis 2005, climat doux ou pas climat doux, et ça va continuer. Donc en Europe, on a deux termes de baisse et pas un seul. Le pétrole baisse parce que l'approvisionnement de la zone OCDE baisse, et ça va continuer. Et le gaz baisse parce que la mer du Nord décline, et ça va continuer. Et le shale gas en Europe n'est pas un game changer. C'est-à-dire qu'on en fasse ou qu'on n'en fasse pas, ou exactement qu'on essaye d'en faire ou pas, ça ne changera strictement rien. Les ordres de grandeur qui sont associés techniquement, le potentiel technique, donc je ne vous parle pas du fait que les gens soient d'accord ou pas, le potentiel technique de production de shale gas en Europe, et 1 à 2 ordres de grandeur en dessous de ce qu'il est aux États-Unis. Donc même si on a envie de faire des trous partout, ça ne changera pas tellement le destin de l'approvisionnement gazier des Européens dans les 20 à 30 ans qui viennent. Maintenant, regardez la production industrielle dans les pays de l'OCDE. C'est quand même marrant, vous voyez, ça monte. Vous voyez même pas ou à peine les chocs pétroliers là-dessus de 1974 et 1979. Par contre, le retournement de l'approvisionnement pétrolier en 2007, alors lui, vous le voyez. Et si je vous montre les pays de la zone Europe, ils sont encore plus touchés parce que là-dedans, vous avez les États-Unis qui, grâce justement à leur supplément d'approvisionnement énergétique, exactement au fait qu'ils ont tamponné la baisse, les États-Unis sont aussi aujourd'hui en dessous de l'approvisionnement énergétique qu'ils avaient en 2007. Même eux. Même eux, malgré leur shale oil et leur shale gas. Mais ils y sont moins en dessous que les Européens. Pour les Européens, la courbe est encore plus marquée. Pour les Japonais, la courbe est plus marquée. Vous avez vu qu'ils n'arrêtent pas d'enchaîner les récessions depuis 2007. Et ça va continuer, très bonne nouvelle pour les Japonais aussi. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis tout ça à cause de Daesh ? Je vous dis tout ça à cause de Daesh, parce que je vous ai parlé de la Syrie, mais je ne vous ai pas parlé de la Tunisie et de l'Égypte. Dans les recettes à l'exportation de la Tunisie et de l'Égypte, vous ne trouvez pas les hydrocarbures, à la différence de la Syrie. Par contre, vous trouvez des touristes. Quand le pétrole tape de plein fouet les économies occidentales, et que les économies occidentales vont mal, vous faites
ce que je disais tout à l'heure, donc le Tunisien, l'Égyptien, lui, il descend dans la rue parce que c'est sa bouffe, donc sa vie. Vous, vous descendez pas dans la rue, mais vous arrêtez de prendre l'avion pour aller en Tunisie. Donc la Tunisie et l'Égypte perdent des recettes à l'exportation, perdent des touristes, perdent le moyen de subventionner l'alimentation, par contre sont confrontés au même marché mondial que les autres, sont confrontés au même déficit en céréales, avec une même population qui a augmenté, et sont infoutus, comme la Syrie, de subventionner l'alimentation pour, on va dire, la première moitié de la population qui a besoin de déjà quasiment tout ce qu'elle gagne pour bouffer. Et boum ! Donc voilà, l'Égypte, premier importateur de blé au monde, vous ne le saviez peut-être pas, l'Égypte importe le quart des céréales qu'elle consomme, et c'est le premier importateur de blé au monde. Les touristes ne sont pas là, la canicule en Russie provoque une inflation sur les céréales, la remontée du pétrole provoque une inflation sur les céréales, le pétrole a déprimé l'économie occidentale et donc les touristes, et meute de la faim. La Tunisie importe bon an mal an la moitié de ses céréales. Bis repetita, pas de touristes à cause du pétrole, plus des prix alimentaires qui explosent, plus des gens qui ont perdu de pognon, et meute de la faim, les Indiens et les autres. Et ben voilà, les autres, ils n'ont pas eu un des composants. Le Maroc est globalement autosuffisant sur le plan agricole. Globalement. Donc, si le prix des denrées alimentaires augmente, eh bien, c'est très ennuyeux pour ses voisins, lui, ça l'emmerde un peu moins. L'Algérie, par ailleurs, dans ce que je vous ai montré tout à l'heure sur l'évolution des précipitations, ici, je vais plutôt vous le montrer là parce que c'est plus visible, ce que vous voyez, c'est que vous avez des pays qui sont plus ou moins touchés. Et vous voyez, l'Algérie est globalement un peu moins touchée que les autres. Donc j'en reviens à ce que j'étais en train de vous dire. L'Algérie est un peu moins touchée que les autres. Et par ailleurs, l'Algérie a toujours en quantité, même si elle est au plateau, du gaz et du pétrole à exporter. Or, au même moment où les prix alimentaires montent, le prix du pétrole et du gaz remonte. Donc l'Algérie peut continuer à compenser, pas de trouble. Parce que, sans vouloir vexer personne dans la salle, si on essaye de comparer la légitimité démocratique avant les émeutes de la faim de la Tunisie et de l'Algérie, je pense qu'il y aurait matière à un long débat. Donc je ne suis pas complètement sûr que l'explication boboïsante, sympathique, avancée par les médias français, qui était que ces gens-là voulaient la démocratie, soit quelque chose qui soit extrêmement discriminant dans ce qui s'est passé. Vous savez comme moi que si vous faites deux expériences avec un paramètre ou un certain nombre d'expériences, avec la valeur d'un paramètre qui ne change pas le résultat de l'expérience, c'est que ce paramètre n'a pas d'importance. D'accord ? Donc l'Algérie n'a pas eu ces problèmes. Alors, les mêmes causes produiront les mêmes effets. L'assèchement du bassin méditerranéen va continuer, et il va continuer d'autant plus vite que les Chinois garderont des centrales à charbon. Parce que c'est ça le changement climatique. Il va continuer d'autant plus vite que les autres pays se fourvoieront dans l'ordre de priorité pour traiter le changement climatique. Donc que par exemple la France continuera à penser que subventionner des panneaux solaires chinois, c'est plus urgent que de s'occuper de mettre des bus pour remplacer des bagnoles. Parce que si on avait mis le même argent qu'on met dans les panneaux solaires importés dans les bus, je peux vous assurer qu'il y a un certain nombre de gens qui ne voteraient pas Front National aujourd'hui. Donc, très bonne manière de se tromper de solution, c'est de se tromper de problème. Hein. Vous connaissez cette vieille maxime, hein, un problème à moitié. Un problème bien posé, déjà à moitié résolu. Bon, ben, prenez la contraposée, si vous posez mal le problème, vous n'avez aucune chance de bien résoudre. Les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Et c'est un peu de ça que je vais vous parler maintenant. Vous avez ici la consommation mondiale d'énergie depuis un siècle et demi. Et quand je disais les émissions viennent bien de quelque part, oui, elles viennent bien de quelque part, elles viennent de ce qu'on appelle les combustibles fossiles, qui ont l'immense avantage d'avoir été faits par Mère Nature pour pas un radis, puisque je vous rappelle que dans cette salle, personne n'a payé le moindre centime pour que le charbon, le pétrole et le gaz se forment. Donc quand vous entendez des écolos dire « le vent et le soleil sont gratuits », c'est vrai, mais le pétrole, le gaz et le charbon sont gratuits aussi. La seule chose que ça coûte, pour le pétrole, le gaz et le charbon, c'est le travail humain pour aller les chercher. Et les sommes qu'il faut payer au propriétaire du moment, s'il y en a un, pour qu'il accepte de s'en défaire. Tout ça, c'est des revenus humains. Ça ne concerne pas la formation de la ressource. Et d'une manière générale, tout ce qu'on va vous apprendre en économie est en première approximation faux, enfin en macroéconomie,
Parce que, par convention, et c'est les économistes classiques d'il y a deux siècles qui le disaient, mais peut-être qu'Alain en reparlera quand il viendra ici, et je vous invite à aller l'écouter évidemment, les ressources naturelles sont gratuites, c'est Jean-Baptiste Say qui disait ça il y a deux siècles. Hein. Donc en gros, le code génétique de 30 millions d'espèces, ça vaut rien. Donc du coup, ça vaut rien de les désinguer. Le climat, ça vaut rien. Une ressource naturelle. Le pétrole, ça vaut rien. Donc ça vaut rien de le consommer, etc., etc. Donc en ce qui concerne l'énergie, la seule chose qui compte, c'est la quantité de travail humain et les rentes qu'il faut payer pour extraire un kilowattheure de l'environnement. Mais le kilowattheure dans l'environnement, il a existé sans que vous payiez un centime. D'accord ? Et par ailleurs, la loi de conservation de l'énergie, que dans cette salle vous connaissez tous, enfin j'espère, vous interdit de faire autre chose en matière d'énergie que de consommer un kilowattheure qui est déjà dans l'environnement. D'accord ? Vous n'êtes pas Harry Potter, vous ne pouvez pas créer l'énergie. Enfin, ni Merlin l'Enchanteur. Ce n'est pas à votre portée. Tout ce que vous pouvez faire, c'est d'aller chercher dans l'environnement un kilowattheure qui existe déjà et de le consommer. Ça, vous pouvez faire. Et en fait, vous ne le consommez pas, vous le transformez. Vous augmentez son entropie, gros. C'est tout ce que vous pouvez faire. Alors, la thermodynamique vous interdit formellement de faire quoi que ce soit d'autre. Et si vous faites la moindre construction politique qui suppose de violer ça, je parie toutes mes économies, parie transmissibles à tous mes descendants, que ça ne marchera pas. Je parie jusqu'au dernier euro de mes économies que ça ne marche pas si une construction politique est destinée à violer le premier principe de la thermo. Ou le second. Donc j'en reviens à mes combustibles fossiles. Pourquoi est-ce qu'on en utilise plein des combustibles fossiles ? Parce que ça ne vaut rien à extraire, parce que la nature a déjà concentré l'énergie pour vous. Quand la nature a concentré le pétrole dans le désert saoudien, vous l'extrayez pour 0,3 centimes du kilowattheure. Quand la nature, tout ce qu'elle fait, c'est déplacer de l'air à 80 km/h, vous le faites passer dans une éolienne, votre kilowattheure vous coûte 8 centimes, c'est-à-dire 30 fois plus. Ce n'est pas un problème d'incurie des politiques, c'est un problème de physique. Donc l'idée qu'il suffit d'investir dans les ENR pour remplacer les combustibles fossiles et continuer à vous garder Erasmus avec des vols en avion et 40 mètres carrés habitables par personne, c'est faux. C'est juste faux, ça n'arrivera pas. Le simple fait de le promettre fait monter le Front National, c'est tout ce que ça fait. Mais ça n'arrivera pas. Donc les combustibles fossiles sont au cœur aujourd'hui de l'approvisionnement énergétique, et ceci va avec cela aussi sur les négociations climat par lesquelles je termine. Et historiquement, vous constaterez qu'on est bien passé des renouvelables aux fossiles. On n'a pas fait l'inverse. Et si on n'est pas passé des renouvelables aux fossiles, c'est que physiquement, tant qu'il n'y a pas de problème de limite ou de changement climatique avec les fossiles, c'est quand même vachement plus simple à utiliser que les renouvelables. Vachement plus. Et du reste, ce que je vous dis est tellement vrai que si vous écoutez la presse française, on n'arrête pas d'investir dans les ENR, si vous regardez les chiffres, vous avez une chanson un peu différente. Vous avez ici l'augmentation de la consommation mondiale d'énergie entre 2014 et 2000. Donc je prends la consommation en 2014, je retranche la consommation de 2000 et je regarde ce qui a le plus augmenté. Réponse ? Le charbon. Il n'a pas un peu plus augmenté que le solaire ou l'éolien. Il a augmenté 35 fois plus que le solaire et 10 fois plus que l'éolien. Donc pour le moment, oubliez l'éolien et le solaire. On s'en fout, c'est pas notre problème. Ça ne change rien. Ça ne change rien. C'est pire que ça. Depuis qu'on a commencé à investir, j'ai oublié de vous la mettre là, massivement dans le solien, je pourrais utiliser cette expression du reste, dans le solaire et l'éolien, l'intensité carbone de l'énergie dans le monde, c'est-à-dire la quantité de CO2 qu'il faut mettre dans l'air pour disposer d'un kilowattheure d'énergie, a arrêté de s'améliorer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2014, vous mettez autant de CO2 dans l'air quand vous utilisez un kilowattheure d'énergie primaire qu'en 2000. Donc, les sommes qui ont été investies dans l'intervalle dans les nouvelles ENR n'ont rien changé, rien, l'intensité carbone de l'énergie dans le monde. Donc, si on veut être sérieux sur cette affaire, il ne faut pas s'occuper d'augmenter le solaire, il faut s'occuper de baisser le charbon. Alors, vous allez me dire, c'est pareil. Je vais vous dire, non, c'est pas du tout pareil. Justement, c'est bien ça le sujet. Là encore, on se trompe d'objectif. On se dit, si on a l'un, on a l'autre. Non, je viens de vous montrer que non. On a augmenté le solaire, un peu. On n'a pas du tout fait baisser le charbon. Je vous disais une autre chose tout à l'heure, ça va continuer sur l'économie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça va continuer sur l'économie ? C'est que la conclusion à laquelle je vais vous amener tout de suite, là maintenant, c'est qu'il va falloir transitionner sans croissance. Non seulement il va falloir transitionner sans croissance, mais je pense même qu'il va falloir transitionner en récession. Vous avez ici, à nouveau, la dérivée sur l'approvisionnement énergétique de l'OCDE. Le fait qu'on soit passé par un maximum en 2007, c'est pas du tout un hasard non plus. Ce que vous voyez sur cette courbe, donc c'est pas vraiment une dérivée, mais vous voyez le taux de croissance annuel
de l'approvisionnement énergétique dans la zone OCDE. Eh bien, il y a 50 ans, quand vos parents, quand vos grands-parents avaient votre âge, eh bien, pour les plus jeunes, là, c'est vraiment à eux que je m'adresse, en fait. Au fond, moi, si je meurs demain, j'en ai déjà bien profité. J'espère que les plus jeunes dans cette salle ont aussi le temps de bien en profiter. Donc, vous avez ici le taux de croissance d'il y a 50 ans, donc 4% par an, puis ça descend à 3, puis ça descend à 2, puis ça descend à 0. Puis ça descend à moins. Donc maintenant, la croissance est une décroissance sur l'approvisionnement énergétique de l'OCDE. Ceci allant avec cela, voilà comment a évolué le taux de croissance du PIB dans la zone OCDE. Pourquoi est-ce que les deux évoluent ensemble? Parce que l'énergie, c'est la nourriture des machines, et que le PIB, c'est-à-dire la production, est faite par des machines. La production est faite par des machines. C'est pas vous qui avez tissé vos vêtements, c'est pas vous qui avez fait les bancs sur lesquels vous êtes assis, c'est pas vous qui avez construit cet immeuble, c'est pas vous qui avez fait le moyen de transport qui vous a amené ce matin ou à midi, c'est pas vous qui avez fait pousser les céréales. Tout ça, c'est des machines. Tout ça, c'est des machines. Les machines à faire pousser des céréales s'appellent des vapocrackers, des usines d'engrais, des usines de phytosanitaires, des tracteurs, des silos, des trains à céréales. Plus derrière des usines de transformation, des usines de cochons, des abattoirs à cochons, tout ça c'est des machines. D'accord. Donc ce qui a produit votre bouffe, c'est des machines. Ce qui a produit vos vêtements, c'est des machines. Ce qui a produit vos logements, c'est des machines. Ce qui a produit l'avion dans lequel vous partirez peut-être en vacances, c'est des machines, etc. Donc toute la production aujourd'hui est faite par des machines, et les machines mangent de l'énergie, moins d'énergie, moins de machines, moins de machines, moins de production. Ça marche extrêmement bien. C'est la raison pour laquelle la production industrielle dans tous les pays de l'OCDE décline depuis 2007. Si c'était juste une affaire d'Arnaud Montebourg local totalement incapable, on devrait voir le résultat en France et pas chez les autres. Or, on le voit partout. Donc, sauf à ce qu'on les clonait, ce que je ne crois pas, c'est que vous avez une cause structurelle qui est supra par rapport au fait d'avoir des politiques incompétentes. Et ma cause structurelle supra, vous l'avez là. Donc, le taux de croissance de la zone OCDE, il existe toujours, mais il décroît. Et si vous prenez l'Europe, on est à l'intersection de la droite de régression avec l'axe des abscisses. Dit autrement, je pense qu'à partir de maintenant, l'avenir européen s'écrit dans un monde sans croissance et même en récession structurelle. Donc là où de plus en plus c'était la règle, c'est de moins en moins qui va devenir la règle. Alors ça pose quelques petits problèmes, notamment celui du choix des gens à qui on confie les affaires de la cité, parce que en période de croissance, il n'y a pas de mauvais manager. D'accord ? Distribuer du rap de sucette dans un monde où il y a de plus en plus de sucettes est une tâche facile. Pour des premiers convenus, en général, il y arrive. Par contre, gérer la décroissance de la quantité de sucettes au sein d'une population qui en voudrait toujours autant, ça, ça demande une habileté et un talent qui ne sont pas donnés à tout le monde. Donc il va falloir qu'on choisisse soigneusement. Malheureusement, l'offre n'est pas terrible en ce moment, mais il va falloir qu'on choisisse soigneusement. La deuxième conséquence que ça importe, c'est que dès lors qu'on se dit qu'on va transitionner avec des moyens supplémentaires par rapport à ceux qu'on consacre à ce qu'on fait déjà, on est en train d'élaborer un plan qui fera faillite. Donc nous sommes à l'heure des choix, et de plus en plus à l'heure des choix. On n'aura pas fromage et dessert. Donc dans les bâtiments, j'aurai pas la norme handicapée, plus la norme ceci, plus la norme cela, plus l'isolation. On va devoir choisir. J'aurai pas plus de pognon pour l'hôpital, plus pour les juges, plus pour les flics, plus pour l'éducation nationale, plus pour partir en vacances, plus pour les soldes. Il va falloir choisir. Donc on est vraiment aujourd'hui à l'heure des choix. Ces choix, évidemment, d'autres vont les vivre comme nous, et j'en reviens au pourtour du bassin méditerranéen. Petit aparté, vous savez qu'aujourd'hui, on vient de voter en France la loi de transition énergétique, espèce d'assemblage curieux qui mêle quelques objectifs intelligents avec d'autres beaucoup plus stupides, et l'essentiel des mesures concrètes contenues dans la loi sur le problème que nous n'avons pas. Vous avez sûrement entendu tous le fait que la France est un pays tout nucléaire. Qui n'a jamais entendu cette expression dans la salle que je vois s'il y a une personne qui n'a jamais lu un journal? Donc vous avez tous lu un journal une fois dans votre vie. Vous avez ici l'énergie mangée par les machines en France. J'insiste sur le fait qu'elle n'est pas consommée par les individus, car si vous consommiez directement l'énergie, vous boiriez directement du pétrole, vous mettriez directement vos doigts dans la prise, ce que je vous déconseille, vous mangeriez directement du charbon, ce que vous ne faites pas sauf flatulence particulière. Bref, donc vous ne consommez pas l'énergie. Vous ordonnez des machines, enfin vous donnez des ordres à des machines qui consomment l'énergie. D'accord ? C'est votre frigo, votre aspirateur qui consomme l'énergie. Ou, encore une fois, vous ne mettez pas les doigts dans la prise. Donc vous avez ici l'énergie consommée par les machines en fonction de là où sont les machines.
Quand les machines déplacent des gens ou des marchandises, ça s'appelle des camions, des avions, des voitures, etc., c'est dans transport. Quand les machines font pousser des choses, élèvent des bestioles, etc., donc les trayeuses et les moissonneuses-batteuses, agriculture. Quand les machines produisent des objets, voire quelques services, mais des objets, c'est dans l'industrie. Quand les machines assurent le confort des gens qui sont dans un bureau ou dans la salle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ça s'appelle tertiaire. Là où vous travaillez, et quand vous étudiez, et quand les machines assurent le confort de là où vous habitez, ça s'appelle résidentiel. L'ordonnée de ce graphique, c'est des milliards de kilowattheures. Vous savez que toute énergie peut être comptée en kilowattheures, puisque si les physiciens adorent le joule, vous multipliez le joule par 3,6 millions, vous avez des kilowattheures. On peut tout compter en kilowattheures, le pétrole, le gaz, le charbon, pas seulement l'électricité. Et maintenant, je vais cercler toutes les énergies, toutes les consommations énergétiques en France, dites finales, donc celles qui rentrent dans une machine, qui proviennent des combustibles fossiles. Et je vous repose la question, est-ce que la France est un pays tout nucléaire ? Est-ce que vous pensez que les journalistes font correctement leur métier quand depuis des années, des années, des années et des années, ils vous disent que la France est un pays tout nucléaire ? La réponse est non. J'en tire une autre conclusion que je vous livre tout de suite, ne croyez jamais ce qui est écrit dans le journal. Sauf si vous connaissez personnellement le journaliste et que vous l'avez vu à l'œuvre sur des sujets que vous connaissez déjà. À ces deux conditions près, vous pouvez croire ce qu'il y a dans le journal, sinon, par principe, ce qui est dans le journal n'est jamais opposable. Alors vous allez me dire, c'est emmerdant. Bah oui, c'est emmerdant. Oui, c'est emmerdant. Mais c'est comme ça. Mon père, qui était physicien, m'a toujours ébahi par une caractéristique qu'il avait. Il faisait un truc que tu connais peut-être, ça toi, les systèmes colombiens à deux corps. Bon, j'ai jamais su à quoi ça servait. J'ai encore moins su comment on s'y attaquait. Mais bon, apparemment, il n'était pas mauvais dans cette spécialité. C'était pas à deux corps, c'était à deux dimensions. À deux dimensions, pardon. Alors, c'est encore pire. Et j'ai découvert qu'il y a une intégrale de Jean-Paul Lissy, ce que je ne savais pas. Donc, je sais que mon nom est associé à un truc qui doit faire chier 4 étudiants par an. J'y suis pour rien. Donc, ce qu'il y a dans le journal, je le disais, n'est malheureusement pas opposable, parce que c'est fait de raccourcis pour gagner de la place. Et les raccourcis pour gagner de la place charrient toujours des malentendus. Toujours, toujours, toujours. La France, en matière d'énergie, ne s'intéresse qu'à l'électricité, parce que c'est le seul truc que vous pouvez montrer avec une caméra qui se promène en France. Vous ne pouvez pas montrer un puits de pétrole, il n'y en a pas. Vous ne pouvez pas montrer un puits de gaz, il n'y en a pas. Vous ne pouvez pas montrer une mine de charbon, il n'y en a pas. Donc vous avez une caméra, vous vous baladez, vous montrez une centrale électrique. Donc on s'intéresse qu'à l'électricité. Vous allez me dire, c'est quand même extraordinaire que ça... Mais si, ça marche comme ça. Je connais 800 journalistes, je crois. Jacques sait qu'il participe à une de mes aventures dans le domaine. Il m'a monté une école d'hiver pour journalistes il y a maintenant 10 ans. Enfin, il n'était pas là à l'époque, mais moi si. J'en ai vu passer des centaines. Je vous assure que c'est une profession dans laquelle les gens peuvent être individuellement très bien. Ce n'est pas le sujet. Il y a une limitation structurelle à l'exercice du métier de journaliste qui vous produit par construction du malentendu. Par construction. D'accord. Même si les gens, à titre individuel, sont des gens très bien. Ayant. Donc, vous avez Sylvestre, quand il est sur son blog, il ne fait pas du journalisme, mais par ailleurs, il a 30 ans d'expérience. Donc, effectivement, vous avez quelques journalistes en France qui sont des journalistes remarquables, parce que d'abord, ils ne dévient pas de leur sujet, ensuite, ils bossent, voilà. Donc, ils finissent par ne plus tirer de conclusions hâtives. Ils sont rares. La loi de transition énergétique s'intéresse essentiellement à l'électricité, c'est-à-dire pas à notre problème. Notre problème, quand on parle de changement climatique qui provoque les insurrections dans le pourtour méditerranéen et au Sahel et dans l'Afrique australe, parce que c'est que le début, le bassin méditerranéen, il va y en avoir d'autres, de plus en plus. Avant de venir vous voir, j'étais avec une personne qui dit « Moi, je pense que le Sahel, c'est la prochaine poudrière. C'est aussi une zone qui s'assèche, c'est aussi une zone où il y a plein de monde, c'est aussi une zone instable. C'est aussi, soit dit en passant, une zone où les puissances coloniales ont fait des pays avec des frontières toutes droites. » Sans tenir compte de la répartition des religions, des ethnies, des cultures. C'est quand même, ça vous a peut-être étonné. Vous regardez une carte de France, la frontière, elle n'arrête pas de faire des igouigouis. Parce que ça suit les lignes de crête, les rivières, les machins, etc. C'est-à-dire des frontières naturelles qui ont historiquement délimité des populations séparées par des cultures et des religions différentes. Hein. Historiquement, parce que les gens, ils vivaient au même temps. Regardez les pays du Moyen-Orient, vous n'avez que des frontières toutes droites. Pourquoi vous avez des frontières toutes droites? Parce que les puissances coloniales ont créé les pays du Moyen-Orient en séparant le pétrole, essentiellement. L'Arabie Saoudite est une création des Américains, l'Irak est une création des Anglais, la Syrie est une création des Français, enfin voilà, on s'est partagé le pétrole. Bon.
Et on s'est partagé le pétrole en mettant la moitié des Kurdes d'un côté, l'autre moitié de l'autre, etc. Et aujourd'hui, vous avez donc des zones qui sont, j'allais dire, non homogènes. Et dès que vous avez un élément de déstabilisation externe qui vient s'y appliquer, boum, ça vous fiche du bordel. Hein, exactement comme en France. Dès que vous avez un peu de début de contraction économique, les Bretons disent « laissez-nous être Bretons » et les Auvergnats disent « laissez-nous être Auvergnats ». C'est très humain, d'accord ? C'est toujours comme ça. Donc le pétrole est notre premier problème, il fait 2/3 de notre CO2 et il fait quelques dizaines de milliards de dollars de déficit commercial par an. Le gaz est notre deuxième problème, le charbon est encore un petit problème, l'uranium importé fait entre 0,5 et 1 milliard de dollars par an. Donc, rapporté à ce que ça produit, c'est un problème secondaire. Hein, rapporté à ce que ça produit, c'est un problème secondaire. Je vais revenir au changement climatique. Donc, pour le moment, nous n'en voyons que les débuts. Business as usual. Vous avez ici, qui ne sera pas usual du tout, vous avez ici une carte d'Europe qui vous représente les écosystèmes installés si on leur fout la paix. Alors, ça veut dire quoi qu'on leur fout la paix? Qu'on ne défriche pas pour faire des champs, on n'abat pas les forêts pour faire, ou qu'on ne supprime pas quelques bouts de bois pour faire Paris-Saclay, non, j'ai rien dit, et qu'on ne crée pas des routes, des machins et des choses. Vous voyez que c'est essentiellement des forêts. Dire que c'est essentiellement des forêts, dire qu'il fait raisonnablement doux, il ne fait pas trop chaud, s'il fait vraiment trop chaud, même s'il pleut, enfin s'il pleut énormément, ça va, mais en général, quand il fait très chaud, il y a des endroits où il fait un peu trop sec. Et par ailleurs, il pleut suffisamment, donc vous faites pousser ce qui a la plus grosse partie émergée dans les divers types de végétaux. Tout au nord, il fait froid et sec, donc vous n'avez pas de forêt. Tout à l'est, il fait chaud et sec, donc vous n'avez pas de forêt. Ailleurs, vous avez de la forêt. Voici l'Europe il y a 20 000 ans. L'Europe il y a 20 000 ans, alors le trait noir, c'est moi qui l'ai mis à la main, parce que sinon, vous ne voyez pas bien, c'est le trait de côte. D'accord ? Donc c'est ce qui sépare les terres émergées de... Ouais. Alors, très mauvaise nouvelle pour les... Donc, il y a 20 000 ans, pardon, on est au cœur de la dernière ère glaciaire. D'accord ? Il fait froid, en gros. Et il y a des mammouths à poils laineux, enfin, encore quelques années. Alors, il y a une première nouvelle, c'est que vous ne pouvez pas aller en Erasmus au KTH, en Suède, parce que les Suédois sont sous la glace. Donc, mauvaise nouvelle pour les Français qui aiment les Suédoises. Mauvaise nouvelle pour les Françaises qui aiment les Norvégiens. Tout ce beau monde n'est pas là, il n'y a personne, puisqu'il y a 3 km de glace posée dessus. Mauvaise nouvelle pour les Français et Françaises qui aiment les Québécois. Il n'y a pas plus de Québécois, soit dit en passant. Le Canada est également sous la glace. Il y a une énorme calotte de 3 km d'épaisseur, qui s'appelle Laurentide, qui est posée sur le Canada. Vous voyez qu'on peut foutre la pâtée aux Écossais au tournoi des 6 nations, parce qu'ils seront sous la glace aussi, donc c'est facile de leur foutre la pâtée aux conditions, voilà. Et les bonnes années, on peut battre les Irlandais, donc les très bonnes années, sans prendre Eurotunnel ou le ferry, puisqu'il n'y a plus la mer du Nord et la Manche. Tout ça a disparu, parce que ces calottes qui se sont constituées ont dû prendre l'eau quelque part pour exister. L'eau, elles l'ont pris dans l'océan. L'océan étant une grosse baignoire, si vous prenez de l'eau dedans, le niveau de la baignoire baisse. Donc le niveau de l'océan a baissé de plus de 100 mètres. D'accord ? Et pour moi qui adore faire de la voile en Manche, c'est un drame, puisque la Manche n'existe plus. Vous voyez que comme il fait plus froid, il fait plus sec, et comme il fait plus sec, la végétation installée n'a rien à voir. En gros, vous avez en Europe la végétation qui est aujourd'hui installée sur le nord de la Sibérie. Tout petit changement en ce qui concerne les écosystèmes. Dans ce genre de paysage, l'Europe est capable de subvenir aux besoins alimentaires de la population de Boulogne-Billancourt ou d'un petit arrondissement parisien. D'accord ? C'est tout ce que la France est capable de nourrir à cette époque. Quand la Terre est passée du paysage de gauche au paysage de droite, tout ce que la température moyenne a fait, c'est de monter de 5 degrés. Pas 50 ou pas 500, mais 5. Regardez ce qui est déjà en train de se passer sur le stress pour un certain nombre de populations avec 0,7 degrés de hausse. D'accord ? Et imaginez, en fait vous ne pouvez pas imaginer, moi non plus, c'est inimaginable au sens premier du terme. Ça n'a pas de sens d'imaginer dans le détail. C'est hors de votre capacité intellectuelle et hors de la mienne. On ne peut pas. On peut approcher, je vous dirai après, des petits trucs qualitatifs, mais penser qu'on sait prédire dans un monde qui se réchauffe de 4,7 degrés que le 3 janvier 2086, vous allez avoir 51,2 millions de personnes qui vont mourir de la grippe au Vietnam, ça n'a aucun sens. Aucun. D'accord ? Vous ne pouvez pas dire ce genre de choses.
tout ce que vous pouvez dire, c'est que quand vous voyez ce qui s'est produit dans le passé avec juste 5 degrés de hausse en 5000 ans, 0,1 degré par siècle sur 50 siècles, vraisemblablement que le résultat des courses, si on s'amuse à cette expérience-là, sera beaucoup plus désagréable que l'idée qu'on s'en fait aujourd'hui. Et par ailleurs, l'autre chose qu'on peut dire, c'est que les conséquences vont s'appliquer avec des coups de billard à trois bandes. Ce que j'ai essayé de vous expliquer sur le pourtour du bassin méditerranéen, il m'a fallu 20 minutes pour ça. Vous n'avez jamais 20 minutes sur une radio. Vous n'avez jamais 20 minutes à la télé. Vous n'avez jamais 20 minutes dans un journal. Lisez à voix haute le contenu d'une interview dans le journal. Vous avez vu, en 3 minutes 30, vous arrivez au bout. Donc l'explication longue sur le coup de billard à trois bandes, vous ne l'aurez jamais dans les grands médias. Or les grands médias, c'est ce que les élus en démocratie consultent avant tout le reste. De ce fait, les premières conséquences les plus désagréables du couple énergie-climat confèrent la crise financière que personne ne relie au choc pétrolier dans les discours mainstream, confèrent la crise du bassin méditerranéen que très peu de gens relient au changement climatique dans le discours mainstream. Les premières conséquences très désagréables, les gens ne verront pas dans la sphère décisionnelle le lien avec le problème à traiter et continueront à penser que le déterminant premier est ailleurs que là où il est. Donc on continuera à ne pas s'occuper du déterminant premier. Et il va falloir attendre qu'on soit très avancé, si on laisse l'expérience mener jusqu'à son terme, dans ce que De Gaulle aurait appelé la chienlit, pour finir par comprendre qu'il aurait fallu faire quelque chose à un moment où il sera trop tard pour ça, parce que l'inertie du système climatique est absolument considérable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre le moment où on va commencer à baisser les émissions et le moment où les dernières conséquences sur le changement climatique vont se stabiliser, il va falloir attendre des milliers d'années ou des dizaines de milliers d'années. Donc il n'y a pas de bouton reset. D'accord ? Il n'y a pas de bouton reset. Donc au moment où vous dites « merde, j'aurais pas dû », vous n'avez pas plus la possibilité de revenir en arrière qu'au moment où vous jetez de la tour Eiffel, arrivez au premier étage, vous dites « merde, j'aurais pas dû ». Ben oui, trop tard, il fallait y penser avant. Ben, c'est exactement pareil pour le changement climatique. Alors je ne veux pas être désagréable en vous disant ça, c'est juste que c'est ça dans lequel il est charge du problème. Il ne faut pas se retrouver dans la situation où on se dit « merde, j'aurais pas dû », ce qui est inédit pour l'espèce humaine. L'espèce humaine, en général, apprend par essai-erreur. Hein. Donc on fait l'essai. Ben là, on ne peut pas. Si on fait l'essai, on a perdu. Alors les conséquences, je vous le dis encore une fois, c'est qualitatif. Et la quantification dépendra de tout un tas de trucs, dont le nombre de centrales à charbon qu'on aura en Chine. Il y aura des conséquences sur la sécurité alimentaire, donc sur le political unrest, comme diraient les anglo-saxons, liés à ça. Il y aura des conséquences évidemment sur les écosystèmes installés, et les écosystèmes installés, vous savez que sans eux on est tous morts, puisque si vous supprimez la totalité des écosystèmes installés, ben vous supprimez les ressources qui nous servent à manger, etc., à régénérer l'oxygène, donc on est mort. Hein. L'idée qu'on peut taper dans l'environnement avec une économie qui se porte bien, c'est une chimère, c'est une vue de l'esprit, ça n'existe pas. Hein. L'économie est un sous-ensemble de l'environnement, et pas l'inverse. Vous allez avoir des conséquences sur les zones endémiques de maladies, parce que la biodiversité des agents pathogènes va profiter de l'affaire comme d'autres. Vous allez avoir des variations des vagues de chaleur, enfin une augmentation des vagues de chaleur, c'est pas très compliqué à imaginer. Le niveau de l'océan va monter, parce que l'eau chaude se dilate, enfin l'eau se réchauffant se dilate, et mon océan étant une grande baignoire, le niveau de l'eau monte. Et vous avez un certain nombre de glaçons posés sur la terre ferme, dont maintenant le Groenland qui a commencé à fondre, qui vont alimenter cette hausse aussi. Le CO2 mis dans l'air repasse pour partie dans l'océan où il acidifie l'eau, ça va poser des problèmes à une partie de la vie marine. La circulation océanique à grande échelle va être modifiée sans qu'on sache exactement ce que ça peut donner à l'échéance de quelques siècles si on va jusqu'au bout de l'expérience. Les phénomènes intenses vont s'intensifier parce que les phénomènes intenses viennent d'une convection elle-même importante et quand vous réchauffez la surface, vous refroidissez la stratosphère, en fait vous déformez le profil vertical de température de l'atmosphère. Donc vous augmentez le delta de température entre surface et stratosphère, donc vous augmentez la puissance convective de tous les phénomènes convectifs. Donc raisonnablement, il faut s'attendre à une augmentation de la puissance unitaire des tornades et des cyclones, peut-être même des orages. C'est pas complètement stupide de penser que ça sera le cas. Le Groenland a commencé à fondre, il va continuer à le faire jusqu'à la prochaine entrée en glaciation, si tant est qu'elle arrive. Pour le moment, c'est toujours prévu qu'elle arrive. Passer un certain niveau de changement climatique, on rentre dans l'inconnu. Elle arrivera peut-être, elle n'arrivera peut-être pas. Enfin, au bout de quelques centaines de milliers d'années, c'est sûr que oui. Voilà, la prochaine, ça devient un point d'interrogation. Et l'Antarctique de l'Ouest, ici, a aussi commencé à se désintégrer. Le Groenland, au total, c'est 6 mètres d'eau. Ça, c'est 3 à 4. Le Groenland va fondre à une vitesse inconnue. Ça va, encore une fois, dépendre du nombre de centrales à charbon en Chine et ailleurs. Vous avez des stocks de carbone qui étaient immobiles depuis des dizaines de milliers ou des millions d'années qui vont se remettre en circulation.
Et tout ça, comme je le disais, va avoir des conséquences directes et indirectes, et c'est bien évidemment les conséquences indirectes qui vont être les plus graves. Aujourd'hui, la restriction alimentaire dans les pays du Maghreb fait plus de morts en indirect qu'en direct. Les gens ne meurent pas de faim, stricto sensu. Par contre, le fait qu'ils ont commencé à prendre les armes a déjà fait 100 000 morts en Syrie. Donc c'est les conséquences indirectes qui seront les plus graves. Les conséquences indirectes sont évidemment les plus difficiles à modéliser. Comme nous faisons une expérience pour la première fois, je le dis, je le répète, je le répète, n'imaginez pas une seconde que ça a du sens de demander aux scientifiques de vous faire le menu des courses à l'avance. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Alors évidemment, mobiliser les gens sur des conséquences qu'on n'est pas capable de quantifier très précisément à l'avance, c'est compliqué. C'est plus simple pour moi de vous suggérer de vous assurer contre un accident de voiture si vous avez une fourchette de ce que ça peut vous coûter si vous avez un accident de voiture. Si je vous dis ça vous coûte n'importe quoi entre 0 et plus l'infini, c'est plus compliqué. Et là, on est malheureusement dans une fourchette d'incertitude sur les conséquences qui est extrêmement large. Ça peut aller de n'importe quoi entre on aura 5 ans d'espérance de vie en moins jusqu'à la moitié de la population y passe et l'autre moitié voit son espérance de vie ramenée à 35 ans. J'ai aucune angoisse pour l'espèce humaine. Hein. Je vous dis tout de suite, l'espèce humaine s'en sortira très bien. Mais c'est l'espèce qui va s'en sortir. Le nombre de représentants de l'espèce, ça c'est moins sûr. L'espèce en tant qu'espèce a très bien survécu aux pestes du Moyen-Âge. Extrêmement bien. D'accord ? Sauf qu'à cette époque, la moitié de la population y passait. Donc l'espèce en tant qu'espèce, je n'ai aucune angoisse. Bien, aucune. Ça survivra très bien. Le nombre de représentants de l'espèce, c'est un débat. Et maintenant, si on ne veut pas. Alors je sais que Jacques, il n'y croit pas. Moi, je vais faire semblant d'y croire quand même jusqu'à la fin de l'exposé. En fait, quand Jacques dit « j'y crois pas », c'est une manière de dire « je ne crois pas aux contreparties ». Parce que physiquement, c'est possible. Sauf que lui dit « les contreparties sociologiques, économiques, avec le schéma mental qui est celui des hommes, je pense qu'elles n'arriveront pas voilà. ». C'est un pari qu'on peut faire. Moi, je vais juste essayer de vous expliciter un peu plus quantitativement où sont les enjeux. Et par ailleurs, je vais vous sortir le paradigme du fumeur, qui est que quand vous fumez, vous avez toujours intérêt à baisser votre consommation de cigarettes, même si vous n'arrêtez pas complètement. Hein? Donc, il n'y a pas blanc et noir. Vous avez ici une droite. Alors, je ne vous ai pas sorti l'autre droite qui est majeure dans cette affaire, qui est énergie-PIB, mais ce n'est pas grave. Donc, il y a deux droites qu'il faut absolument connaître quand on s'occupe du problème. Celle-ci, c'est la deuxième. Cette droite, elle vous dit, en fonction de ce que seront les émissions cumulées de l'humanité entre 1870... 1850, c'est pareil, et 2100. Donc je prends la totalité de ce que l'humanité émet entre 1850 et 2100. Et je le mets sur l'axe en haut. Je tire un trait à partir de cet axe, je le reporte sur l'axe vertical, et ça me donne l'élévation de température planétaire que j'aurai en 2100 par rapport à 1850. Hyper simple. C'est quand même sympa la physique, de temps en temps, on fait des trucs simples. Application numérique. En 2015, nous avons émis à peu près 2000 milliards de tonnes de CO2 entre donc 1850, enfin 1870, mais c'est pareil, et 2015. Et donc, nous avons signé pour 1, quelque chose degré en 2100 par rapport à 1850. Comme évidemment, il y a une zone d'incertitude, c'est 1,2 plus ou moins 0,3 que vous voyez ici. Alors, vous pouvez renverser le raisonnement. On dit, on veut 2 degrés. Alors, plus ou moins quelque chose, eh bien, ça veut dire que nous avons droit à 3000 milliards de tonnes de CO2 émises dans l'atmosphère d'ici à 2100. C'est la notion de budget carbone. J'ai encore droit d'émettre 1000 milliards de tonnes, équivalent CO2, enfin de CO2. Qu'est-ce que c'est 1000 milliards de tonnes? C'est juste la combustion des réserves prouvées de pétrole. Donc à partir de demain matin, je vous dis, je touche plus au charbon. Donc tout ce qui est made in charbon, c'est-à-dire made in China, vous n'avez plus le droit de l'acheter. Vous avez encore le droit de prendre vos bagnoles, de vous chauffer au fioul, point barre. Le reste, vous oubliez. Hein? Ça, c'est 1000 milliards de tonnes de budget rien que sur le pétrole. Je peux dire, je vais être un peu plus sévère sur le pétrole. Donc, j'en utilise pas 1000 milliards, j'utilise 700 ou 800. À ce moment, je vous relâche un peu la pression sur le gaz. Vous avez encore le droit de vous chauffer un peu au gaz pendant 20 ou 30 ans, mais pas 200, 20 ou 30 ans. Voilà, ça vous donne une petite idée de ce que signifie respecter les 2 degrés. Donc on n'est pas en train de parler d'un machin qui est un nice to have. Vous voyez, on va signer ça. Putain, on va se mettre d'accord à Paris sur 2 degrés. Youp la boum, je peux retourner tranquille à Candy Crush pendant que j'irai écouter mes cours. Non, c'est pas du tout ça, 2 degrés.
c'est demain matin, on oblige vos parents ou vous-même, si vous êtes propriétaire, à rénover votre logement. On vous dit, ta bagnole à Sinit, là, t'oublies, tu vas en prendre une à deux, et puis si tu fais pas ça, je t'hypertaxe. L'avion, je multiplie le prix du billet d'avion par 5. Voilà, c'est ça, le monde à 2 degrés. D'accord ? C'est ça, le monde à 2 degrés. Vous en voulez pas, vous aurez la guerre. Moi aussi, je reste. Mais c'est comme ça que se pose l'équation. D'accord ? Donc c'est pour ça que Jacques y croit pas. Lui, il pense qu'on préférera la guerre, parce qu'on croit qu'elle ne va pas arriver. Moi, je vous dis, moi, je pense qu'elle va arriver, donc je préfère ce que je suis en train de vous raconter. Mais c'est bien ça, les termes de l'équation, vu de ma fenêtre. Et vous comprendrez pourquoi, quand je vous dis ça, j'en veux tant aux écologistes bontins qui pensent qu'il est urgent de dépenser nos milliards dans les panneaux solaires, parce que c'est la meilleure preuve qui soit qu'on ne croit pas au problème. Si vous croyez vraiment qu'on est en train de risquer la guerre, vous commencez pas par foutre vos milliards dans un truc qui sert à rien. Vous commencez par foutre vos milliards dans un truc qui sert à éviter ce qui va causer la guerre. On est d'accord ? Et entre vous et moi, entre l'insurrection généralisée dans tous les pays limitrophes de l'Europe et les conséquences chez nous, et le fait qu'une fois tous les 20 ans, on ait vécu 100 000 personnes parce qu'on n'est pas foutu de gérer nos centrales nucléaires, je préfère très nettement la deuxième option, y compris pour moi. Moi, je préfère très nettement être évacué une fois tous les 20 ans, plutôt que mes enfants, qui ont votre âge, pour ceux du fond, là, vivent dans un pays en guerre. Très nettement. Il y a zéro photo là-dessus. Donc si on ne veut pas, à quoi on doit s'attaquer ? Eh bien, voici la décomposition. Alors évidemment, je ne vous mets pas à l'avance, sinon vous allez tous sous le camp, là, parce que vous commencez à avoir faim. La décomposition des émissions mondiales de gaz à effet de serre aujourd'hui. 20% des émissions mondiales viennent des seules centrales à charbon. Retenez deux chiffres. Vous avez 63 gigawatts de centrales nucléaires en France sur lesquelles on n'arrête pas de s'écharper comme si c'était notre premier problème. Il y a 1800 gigawatts de centrales à charbon dans le monde. D'accord ? 30 fois la puissance du parc nucléaire français en centrales à charbon dans le monde. Si nous voulons être sérieux sur les 2 degrés, il faut toutes les mettre à la ferraille dans les 30 ans qui viennent. Toutes. Toutes. On n'est pas en train de parler, c'est pas avec des panneaux solaires qu'on va y arriver. Pas une seconde. Pas une seconde. 30 ans. Donc c'est pas en 2050 quand le solaire sera complété. Non, dans les 30 ans qui viennent. On commence demain matin. Vous avez 6% qui viennent des centrales à gaz et des centrales à pétrole, car il reste des centrales à pétrole, quelques-unes. Vous avez 5% des émissions mondiales qui sont dues à la seule production de ciment. Donc faire des villes, 5% pour le ciment, et encore 3 à 4% pour l'acier, puisque une large partie de l'acier est utilisée dans des choses qui s'utilisent en ville, des bâtiments pour commencer, et ensuite un certain nombre d'infrastructures, la tour Eiffel, qui est quand même sympa. Donc 5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, la production de ciment. Pour vous qui êtes des chimistes distingués, 2/3 viennent du fait qu'on grille du calcaire, donc c'est CaCO3 qui devient CaO plus CO2. Hein, donc ça, tant qu'on grille du calcaire, ben, on n'y échappe pas. Donc à moins de faire des liants hydrauliques avec autre chose que du calcaire grillé, ce qu'on peut faire, hein, eh bien on continue à avoir cette part des émissions, et 1/3 du total vient du combustible qu'on utilise. Parce que le calcaire, à température ambiante, il grille pas bien. Le reste de l'industrie, c'est 10%, et là-dedans, l'essentiel, c'est la production de matériaux de base. Donc c'est la production de plastique, donc la chimie de base, donc vous êtes des sales cochons, la production d'acier, de non-ferreux, etc. C'est ça qui va faire l'essentiel des émissions. Ensuite, transformer l'acier en trombone ou en roue de trottinette, ça, c'est très peu émissif. Et les chimistes que vous êtes le savent très bien, et physiciens aussi du reste, donc vous allez savoir les deux, c'est quand vous avez des gros besoins de chaleur pour transformer la matière que vous avez de grosses émissions, quand vous n'avez besoin que de force mécanique, les émissions sont tout de suite beaucoup plus basses. Donc usiner, travailler, assembler, etc., c'est pas très intensif en émissions. Transformer, réduire en particulier, ça c'est hyper intensif en émissions. Réduire, c'est extraire l'oxygène, et la meilleure manière qu'on a d'extraire l'oxygène, c'est de l'associer à du carbone. D'où les hauts fourneaux, d'où le CO2 de la métallurgie. Voilà. Vous avez 6%, donc ça, on ne le diminuera pas. Alors qu'est-ce que ça, on peut faire des liants autrement et puis moins construire. Et ça, on peut moins consommer. Donc ça veut dire qu'il faut refaire des objets qui vont coûter plus cher, qui dureront plus longtemps, qui n'auront pas des performances techniques qui vont s'améliorer tous les 4 matins, qui seront réparés quand ils ne marcheront pas, voilà, et qui vont vous coûter plus cher. Donc quand votre vis de votre branche de lunettes foutra le camp,
vous ne précipiterez pas chez l'opticien en disant « Tiens, c'est l'occasion de changer de modèle. » Vous commencerez par mettre un bout de sparadrap et ensuite vous irez chez l'opticien qui, pour 100 euros, vous réparera vos montures. En mettant juste une vis. Voilà. D'accord ? Alors, l'exemple de l'opticien est peut-être mal choisi parce que c'est les commerçants les mieux payés de France. J'aurais peut-être dû en prendre d'autres qui ont un peu plus besoin de croûter. Mais peu importe. C'est pour vous donner un exemple un peu concret de « Je ne vais pas jeter, acheter ». Et du coup, évidemment, ici, l'offre a de moins bonnes affaires. Puisque vous ne referez pas vos verres à chaque fois que vous avez une vis qui fout le camp sur vos montures de lunettes. Hein ? Donc ça va totalement déplacer l'économie. Et vous comprenez maintenant pourquoi, avec ce genre de truc, les gagnants ont envie de gagner, mais enfin, ils ne sont pas encore assez visibles. Mais il y a beaucoup de perdants qui n'ont pas du tout envie de perdre. Donc ils disent, ouais, peut-être qu'il y a des trucs plus urgents. Peut-être qu'on ferait mieux de s'occuper de la pauvreté, de la pollution, je ne sais pas quoi. Un peu comme si quelqu'un vous disait, vous savez, vous risquez la gangrène au bras droit, vous n'avez pas de solution évidente, à vous dire, ouais, enfin, peut-être que je ferais mieux de m'occuper de l'ongle incarné du pied gauche, quand même. Hein, si vous voulez. Vous allez devoir vous occuper des deux à la fois. Les chaudières de bâtiments font 6% dans le monde. Alors en France, c'est 25%. Dans le monde, c'est 6%. Parce qu'une bonne partie de l'humanité vit dans des endroits où il n'y a pas besoin de chauffer. Par contre, il y a besoin de climatiser, ce qui induit une partie de ça. Dans les 14% qui sont dus au transport, puisque vous voyez apparaître une voiture, les voitures mondiales, c'est 4%. Les camions mondiaux, c'est 4%. Les navires mondiaux, c'est 3%. Et les avions mondiaux hors effet dans la stratosphère, c'est 2%. Retenez un truc qui va peut-être vous étonner. Les cochons de chimistes qui font du plastique et du ciment émettent plus que les voitures dans le monde. Donc vous qui êtes dans une école où vous allez devoir un peu vous occuper de ce genre de secteur, occupez-vous beaucoup de ce genre de problème. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. 20% des émissions mondiales viennent du fait qu'on mange, et là, c'est très simple, pour baisser ces émissions, il faut manger moins de gros animaux. C'est très simple. C'est pour ça que le Shift s'apprête à se faire beaucoup d'amis, en proposant qu'en France, on divise le cheptel bovin par deux. Alors, comme les éleveurs font un métier considérablement plus dur que le vôtre, ils se lèvent plus tôt, ils se couchent plus tard, ils ont moins de vacances et ils gagnent moins bien leur vie qu'un ingénieur sorti de cette école. On va évidemment réfléchir à la manière que tout le monde perde, sauf eux. Normal. Hein. Mais il y a quand même un sujet. En gros, il faut monter le truc en valeur, en produire deux fois moins et faire en sorte que ce n'est pas au revenu des éleveurs qu'on touche dans cette histoire. Très bonne manière de faire étant un truc totalement antilibéral qui s'appelle remettre en place des quotas. Et on a un vrai sujet pour résoudre ce problème qui s'appelle la pensée libérale et la pensée du marché, et dont je suis très content d'aller retrouver dans quelques heures un ancien président de Dauphine disant « Le marché, il faut peut-être oublier. » La déforestation, qui est un déterminant amont de l'agriculture, c'est 8%. Pourquoi je dis amont ? Parce que l'essentiel du défrichage dans le monde, il y a deux déterminants principaux au défrichage, c'est le bois de feu et l'augmentation des surfaces agricoles sur une terre qui continue à accueillir de nouveaux habitants. Donc pour baisser les émissions dues à ça, il y a deux choses auxquelles il faut toucher. Il y a le régime alimentaire et la démographie. Donc il faut aussi remettre sur la table un débat difficile, douloureux, qui est le débat sur la démographie. Et là aussi, pour dire des choses désagréables, je pense qu'en France, les aides fiscales pro-natalistes sont dépassées. Maintenant, il faut faire l'inverse. Parce que comme c'est les machines qui produisent et pas les hommes, l'idée sympathique qu'en augmentant la population, on augmente le PIB et tout va bien, est fausse. C'est en augmentant l'énergie qui alimente les machines que vous augmentez le PIB. Si vous avez l'énergie qui baisse et la population qui augmente, vous augmentez les pauvres. C'est tout ce que vous faites. Moi, je dis peut-être il faut réfléchir avant de faire des pauvres. Peut-être qu'il vaut mieux qu'il y ait un peu moins de monde et qu'il soit un peu plus heureux. Ça se discute. Alors évidemment, ça va toucher à ma retraite. Donc au lieu d'avoir mon joli pavillon de banlieue où on sera deux à la retraite, eh ben, j'habiterai chez mes enfants que j'emmerderai et je garderai leurs gosses. Non mais tous les peuples qui sortent d'une période économiquement moins faste au sens classique du PIB, c'est comme ça qu'ils sont organisés. C'est du reste comme ça qu'étaient organisés les Espagnols. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup mieux passé la crise que nous. C'est parce qu'ils avaient une cellule familiale qui était beaucoup plus résiliente. Hein. Quand vous êtes obligé d'avoir un deuxième salaire pour payer la crèche, ce qui n'est pas le cas des ingénieurs de l'ESPCI, mais ce qui est le cas des employés au SMIC, j'en connais qui ont deux enfants, hein, le deuxième salaire n'est pas loin de servir à payer la crèche, et ben, un très bon moyen de mieux s'en sortir, c'est vous supprimer la crèche, vous faites venir les grands-parents qui, même avec une plus petite retraite,
font que l'équation globale de la famille, voilà, donc faut scoltiner la belle-mère, je suis bien placé pour savoir que c'est pas toujours très drôle, mais voilà, donc ce que je suis en train de vous dire est un problème transversal et systémique, ça va être disruptif partout, partout, partout. 11% des émissions sont dues à d'autres choses, le traitement des déchets, les chaînes du froid, les gaz halogénés, etc. Donc je reviens à ce que j'étais en train de dire, le problème est partout. Donc pour un problème qui est partout, il faut avoir des vues systémiques. Alors il y a quand même une bonne nouvelle dans cette affaire, parce que je ne voudrais pas que vous sortiez d'ici déprimé. C'est que la France, cocorico, a une tradition historique d'être particulièrement performante quand il faut s'attaquer aux problèmes complexes et à large échelle. C'est notre force historique. D'accord ? Pour savoir bien fabriquer des autos, voyez les Allemands. Pour savoir bien vendre, voyez les Anglais. Pour savoir bien concevoir la solution à un problème complexe et à large échelle, voyez les Français. C'est la raison pour laquelle les Français sont particulièrement performants dans toutes les infrastructures de long terme à large échelle. L'énergie, les transports, la planification urbaine, etc. On est, je vais être un peu prétentieux, les meilleurs au monde. On n'est pas toujours les plus modestes, mais on est les meilleurs, objectivement. Quand vous regardez les ingénieries performantes dans le monde, elles sont trustées par des Français. Schlumberger, des Français, Systra, des Français, Veolia Water, des Français, enfin, je vous assure, les Français, il ne faut pas avoir honte d'être Français. Les Français sont extrêmement performants dans ce segment-là. Qu'est-ce que c'est que le problème que je viens de vous exposer ? C'est un problème indémerdable, monstrueusement compliqué, à large échelle et de long terme. Sautons dessus ! Sautons dessus ! C'est notre salut économique. Sautons dessus. Ça ne sera peut-être pas le salut de tout le monde, mais ça sera le nôtre. Sautons dessus. Je suis très sérieux quand je vous dis ça. D'accord ? Sautons dessus. Voilà, je vais finir avec ce petit schéma qui résume ce que je vous ai raconté. Nous vivons donc dans un monde dans lequel plein de ressources naturelles gratuites ont été fournies pour notre plus grand bonheur, dont des combustibles qui brûlent. Ils nous ont fourni les moteurs et la chimie, et donc la transformation à vitesse accélérée de tout le reste, et donc tous les objets qui peuplent aujourd'hui notre quotidien, et la structure sociale que nous avons bâtie dessus. Parce que les machines ont fourni la productivité du travail, et la productivité du travail a fourni les 35 heures, les congés payés, les retraites, les études longues, l'urbanisation, la désertification des campagnes, une bagnole pour tout le monde, les revendications du MEDEF et de la CGT réunies, et les promesses de croissance perpétuelle des politiques. À mon avis, même la démocratie, je risque cette hypothèse, est un fruit de ça. C'est quand même vachement plus simple d'être élu sur la base de promesses qui vont se réaliser que sur la base de promesses qui ne vont pas se réaliser. Et si le monde est infini, c'est plus facile de réaliser les promesses. Donc je pense que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui est le fruit pour l'essentiel de la profusion énergétique planétaire. Et la contrepartie de cette profusion matérielle s'appelle le PIB, qu'on aimerait tant voir croître, notamment parce que c'est la base fiscale et que les élus n'aiment pas restreindre le budget public. Et les deux limites à cette affaire, je vous en ai un tout petit peu parlé, c'est à la fois la question aval, c'est-à-dire le changement climatique, et la question amont, c'est-à-dire le goulet d'étranglement sur les combustibles fossiles. Je vais finir en revenant aux médias. Le problème aval, il est sur la table structurellement, c'est-à-dire qu'il est le résultat de recherches qui sont faites par des chercheurs. Le chercheur, il y a peut-être dans cette salle, son métier est de rendre public ce qu'il sait. C'est comme ça qu'on le crédite, c'est comme ça qu'il est valorisé, c'est comme ça qu'il progresse, c'est comme ça qu'il est reconnu. À tel point, soit dit en passant, que les chercheurs de second rang qui ne publient pas grand-chose, certains sont tentés par le climato-scepticisme, parce que comme ça, ça leur permet d'être reconnus sur un autre terrain qui est celui des médias. Mais un chercheur, oui, c'est des déterminants, les galamritos, etc., c'est ça le déterminant. Maintenant, en ce qui concerne le changement climatique, toute l'information est sur la table. Donc les médias peuvent s'en emparer. En ce qui concerne l'approvisionnement en combustibles fossiles et plus largement en ressources minières, toute l'information est propriété d'opérateurs commerciaux ou d'opérateurs étatiques dans des régimes non démocratiques. Pour avoir l'info, bon courage. Donc moi, ça m'a pris 5-6 ans, peut-être même 10, de commencer à avoir ce que je crois être un début de vue un peu étayé sur la question. Parce que vous n'avez pas d'autre moyen que de cuisiner un par un des experts compétents ou que vous pensez être compétents sur la question pour voir si à la fin, vous arrivez à dresser un tableau cohérent de tout ce qu'ils vous ont raconté. Ça vous prend 5 à 10 ans. Donc ça vous prend un mois de tout comprendre sur le changement climatique. Vous vous enfermez dans une pièce, vous vous coupez du monde extérieur, vous paluchez le rapport du GIEC qui fait 2000 pages, vous arriverez peu ou prou à comprendre à peu près tout ce qu'il y a dedans, pas tout exactement, mais vous y arriverez, et vous sortez de votre mois de lecture, surtout si vous prenez des notes, vous aurez à peu près compris. Vous ne pouvez pas faire ça sur les combustibles fossiles.
C'est impossible. L'information est éparpillée, pas synthétisée, il n'y a pas de publication. Voilà. Et en plus, les gens qui ont pignon sur rue vous bourrent le mou parce qu'ils confondent leur désir et la réalité. Par exemple, l'Agence internationale de l'énergie fait régulièrement des scénarios sur la consommation future. C'est la consommation souhaitée. Ils disent les gens veulent plus de bagnoles, donc il y aura plus d'énergie. Ouais, moi je dis ouais, enfin bon, enfin, s'il n'y a pas plus de pétrole qui sort des puits, ils n'en vont pas plus. Hein. Donc, le raisonnement qui est combien de pétrole va sortir du puits n'est pas à l'AIE. Parce que pour tenir ce raisonnement, il faut acheter des bases de données d'espionnage industriel très chères, qui valent des millions de dollars, que l'AIE ne s'achète pas. Sauf que j'ai eu comme collaborateur quelqu'un qui y a travaillé pendant 3 ans, l'AIE. Pense savoir à tout, et qui était l'analyste oil and gas. Donc je pense avoir une toute petite idée sur la manière dont ça se passe. Voilà, donc en conclusion, je le redis, c'est un problème systémique, c'est un problème dans lequel il n'y a pas de easy way out au sens de j'attends tranquillement que les autres s'occupent du problème pour moi, ça ne marchera pas. Par contre, il y a une opportunité historique pour nous autres Français, je le redis, et je suis très sérieux quand je dis ça, c'est que c'est un problème compliqué et qui s'invite partout. Donc je pense que c'est une opportunité pour nous. Bon, j'ai été plus long que d'habitude. Et j'ai encore 20 bonnes minutes s'il y a des questions.